Et alors, avant de parler des coussinets, on va parler de ce petit chien, Chucky, qui est à adopter. Chucky, oui, exactement. C'est un chien qui a 9 ans. On dirait pas parce qu'il a une tête très jeune. Ouais. C'est un croisé berger, hein, croisé un peu. Voilà, beaucoup de choses. Qui a un peu peur. Ah, il veut enlever son harnais. Bah, il était tout calme depuis son harnais. Non, mais je pense qu'il a senti des odeurs là-bas aussi. Ah, de la cuisine. Voilà, c'est un peu ça. Alors, eh bien, pour vous dire que... Voilà, tiens, je te laisse. Merci, Fabien. T'as l'habitude. Alors, Chucky, il a 9 ans, alors. Il a une histoire assez dure. Il vivait avec sa maîtresse jusqu'au décès récemment de sa maîtresse. Il faut savoir que les héritiers se sont... Querellés entre eux, voilà, écharpés pour l'héritage, mais pas pour le chien. Voilà. Et du coup, ils ont laissé le chien en dehors de la maison, attaché à un arbre, en disant qui le veut. Non. Ah non, mais c'est vrai. C'est horrible. Alors, il a été recueilli. Voilà. Il a été recueilli par l'association Stéphane Lamarre. Il faut savoir qu'il a fait 6 heures de voiture hier soir pour venir dans la quotidienne parce qu'il vient de Normandie et qu'il y avait de la neige. Donc voilà. Alors on vous le dit, on compte vraiment sur vous là. S'il y a une personne devant son écran qui est touchée par cette histoire, qui veut recueillir ce chien chez lui, qui veut l'adopter. Vous voyez l'adresse qui s'affiche, associationstéphanelamarre.com. Oui, vous nous envoyez un petit message et puis on fera le lien. Parce que malgré le fait qu'il soit bien accueilli dans ce refuge, il n'a jamais connu le refuge. Il a toujours connu les canapés et le cocooning de sa maîtresse. Il a besoin d'affection, il a besoin d'une famille. Mais ça se voit, il est tout doux. Il est tout doux, vraiment. Bon, alors, on va s'occuper du coup de ses coussinets à Chucky. Parce que c'est vrai que quand il fait froid, nos mains sont un peu abîmées. C'est pareil pour les coussinets. Exactement, les coussinets, les pattes des chiens, les extrémités sont mises vraiment à rude épreuve en ce moment avec la neige, le froid et ils ne sont pas à l'abri des crevasses comme nous. Tout ce qui est aussi des coussinets qui se fendillent, on a des engelures, on a des gelures. Donc il faut vraiment chouchouter les coussinets en ce moment pour vos animaux, surtout pour les chiens. Si vous êtes sous la neige ou si vous partez à la neige, bien entendu. Ouais. C'est un peu comme une semelle de chaussures pour nous, finalement. Exactement, c'est vrai. Alors, un peu plus d'ailleurs qu'une semelle. Alors, il faut savoir que quand on regarde un coussinet, vous avez la partie externe qui est l'épiderme du coussinet, où il n'y a pas de poils, comme vous le savez, qui est marron, noir, qui est un peu la semelle, qui est très épaissie, très kératinisée. Mais sous cette partie que vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le derme, où il y a non seulement des vaisseaux, ce qui veut dire que quand le coussinet est blessé, il saigne. Oui. Il y a aussi des terminaisons nerveuses qui permettent aux chiens d'apprécier la surface par le côté tactile du coussinet, qui aussi permet de savoir s'il fait froid ou chaud, et qui ressent aussi la douleur. Il peut ressentir la douleur au niveau des coussinets. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'au niveau des coussinets, il y a des glandes sudoripares qui sont des glandes qui permettent la transpiration du chien. Ce qui veut dire que le chien transpire par les pieds. Ouais. Et non pas les aisselles. Et est-ce que vraiment, Gérard. Et pour finir, sous ce derme, il y a la pelote graisseuse qui fait le coussinet et qui sert d'amortisseur. C'est des adipocytes avec des fibres élastiques. Est-ce que des chiens ont des coussinets plus fragiles que d'autres? Oui, il y a des chiens qui sont beaucoup plus fragilisés, ceux qui ne sortent pas. C'est tout simple. Ah oui. C'est à la différence de notre semelle, c'est plus ils utilisent les coussinets, plus les coussinets s'épaississent. Exactement. Alors les chiens qui sont des chiens de canapé et qui sortent une fois par jour, ils ont des coussinets très fragiles, très fins. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a des chiens qui ont des coussinets blancs et non pas noirs. Oui. Ces coussinets blancs sont beaucoup plus fins et beaucoup plus fragiles. Et puis, il faut dire qu'en ce moment, avec la neige, la glace, on risque bien sûr un dessèchement du coussinet, des fissures. On a aussi le sel de déneigement. Ah oui, c'est quelque chose qui irrite vraiment les coussinets des chiens. Ils reviennent, ils ont les coussinets et entre les doigts, tout irrité, rouge, ça les démange, ça leur fait mal, ils se lèchent et ils s'aggravent justement les lésions. Donc, très attention. Est-ce que du coup, il y a des choses à faire pour essayer de renforcer leurs coussinets? Alors, il faut faire comme les mushers. Vous savez que les mushers, ce sont les conducteurs de traîneaux à chiens. Ils ont plein de chiens qui courent toute la journée dans la neige. Et que font-ils? Avant la période justement de neige ou avant les compétitions, comme vous voyez sur ces images de la Grande Odyssée qui a eu lieu il y a 2 semaines dans les Alpes, vous avez des produits tannants. Alors, il y en a beaucoup, vous voyez, il y a presque beaucoup de marques qui font des produits tannants, soit en roll-on, soit encore, c'est un gel que l'on met sur la peau,
Voilà. On les trouve facilement, c'est pas juste pour les voilà, ça va. Ah oui, on le trouve très facilement, soit en animalerie, soit chez votre vétérinaire. Et c'est un produit, alors quand c'est tannant, ça veut dire qu'il y a des solutions qui vont épaissir le coussinet, ouais. Le rendre plus souple. Il faut le faire 15 jours minimum avant l'arrivée de la neige ou avant le départ, par exemple, au sport d'hiver pour votre chien. Et puis, il y a aussi des produits à mettre avant la promenade dans la neige. Pour protéger les coussinets. Et là, ce que l'on fait, non mais ça va, c'est naturel, hein, tout ce que je te mets sur la main. Tu vas avoir la mais main il faut plus masser, épaisse. Il faut masser alors du coup. Oui, il faut masser. Et alors, pour aller dans la neige avec votre chien ou sur la glace quand il fait très froid, il faut graisser ce que j'appelle moi graisser la patte. Ah, c'est-à-dire mettre une couche de gras qui représente une barrière, protectrice contre tout ce qui est agression thermique, d'accord, physique, mmh, etc. Et alors là, vous avez beaucoup de choses différentes. Vous avez des cires carrément, qui sentent très bon, parce que là, par exemple, c'est au beurre de karité. Mmh. Ah oui. Alors, vous avez des cires que mettent vraiment les... la pâte de Gérard. Hein. Les méchants. Ah ouais, vous avez des l'habitude. Frais. Oui, je crois. Vous avez des baumes. Tu veux essayer le baume? Oh, mais oui. Ça, y a comme les coussinets. Il y a de la glycérine. Oh, c'est des glaces. Alors, sinon, il y a la crème, tu veux peut-être? Non, c'est bon, c'est bon. Alors, si vous n'avez... Ça, c'est des produits spécifiques hein, pour les pattes de chien. Oui, pour les pattes de chien. Voilà, pour les coussinets des chiens. Si vous n'avez pas ces produits sous la main et que, il neige et vous n'avez pas prévu ça, vous pouvez prendre de la biafine, tout simplement, et en mettre sur les coussinets du chien avant d'aller sur la moquette. Vous les mettez avant de sortir, bien entendu, sinon vous allez en mettre partout. Hein. Et Mélanie parlait de chaussettes. Pourquoi pas des chaussettes ou des petites bottines pour les chiens? Justement, j'ai ces petites bottines. Ah oui, là, c'est carrément de la bottine. Ah ouais, c'est de la bottine avec une semelle. Alors, vous savez, c'est pas du tout ridicule de mettre des bottines à un chien. Non. D'ailleurs, les mushers eux-mêmes mettent des bottines à leurs chiens. Vous les voyez dans les courses, ils ont des bottines colorées. Ils aiment bien rouge. Même en course? Ah bah oui. On voit... Alors, pourquoi mettre des bottines? Tout simplement, si le chien a déjà des lésions au niveau des coussinets, il vaut mieux mettre des bottines pour le protéger. Si le chien a des coussinets qui sont fragiles, ou tout simplement, si vous savez que dans votre rue, il y a du sel partout, c'est encore la meilleure méthode à faire pour éviter le sel. Sinon, bien rincer les chiens là, qui vont aller dans la neige, bien rincer les pattes au retour à la maison, avec de l'eau tiède, bien enlever tout ce qui est glace, etc., sel, bien sécher les pattes et éventuellement, s'il y a des irritations, mettre une pommade calmante que vous donnerez à votre vétérinaire ou tout simplement, moi je mets beaucoup de l'aloe vera en gel. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour les irritations. Hein. Pas quand il y a une infection, mais pour les irritations, ça fait du bien. Eh ben, merci beaucoup Laetitia. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ce que vous a dit Laetitia, vous retrouverez d'autres conseils dans les pages de 30 millions d'amis qui est actuellement en kiosque. Et puis si vous avez besoin de Laetitia, n'hésitez pas à lui envoyer un email laetitia@laquotidienne.net.